Voilà, hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Iris Fall, un jeu développé par PM Studios. Et c'est en plus offert actuellement par le Xbox Gold, donc profitez-en. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go! Alors voilà, on va pouvoir commencer. C'est un jeu qui est divisé en 8 chapitres. Et dans ces 8 chapitres, vous avez donc 8 succès en lien avec la fin des chapitres. Et puis le reste sera consacré à des puzzles à faire en une seule fois. Donc c'est un jeu qui comporte 22 succès. Et vous allez voir, on va pouvoir le faire en un peu moins de 2 heures, si tout va bien. Si jamais vous n'obtenez pas les succès parce que vous avez loupé une étape dans la résolution des puzzles, pas de souci. À la fin du jeu, vous avez la sélection des chapitres, donc vous pourrez aisément revenir sur le puzzle et le succès qui vous manque. C'est un jeu qui allie ombre et lumière, et vous allez voir, il me fait penser un peu à Contraste. Si mes souvenirs sont bons, ou pareil, il fallait jongler entre la lumière et l'obscurité, on va dire. Voilà. Donc on est parti, on y va. Alors, pour passer dans l'univers de l'ombre, il vous suffit de cliquer sur A lorsque vous vous trouvez à côté du livre là. Et pareil, de nouveau A. Niveau touche, vous verrez, c'est assez simple. Alors, on va reprendre le jeu. Donc ici, petit, on va dire, apéro, petit apéritif.
pour justement comprendre cet univers. Donc ici, vous allez vous rendre tout au bout. Vous trouvez un livre. Vous allez pouvoir vous transformer et récupérer cette pièce. Cette pièce, elle fait partie de votre inventaire. Vous allez voir. Et là, de nouveau. Alors, vous appuyez sur Y, vous sélectionnez avec A et ensuite avec votre joystick, vous la déplacez ici. Ça va, c'est pas trop compliqué. Et là, vous allez pouvoir monter. Alors ici, on va avancer. Donc ici, on va obtenir notre tout premier succès qui s'appelle Bird Reality, c'est-à-dire qu'on va pouvoir attraper un objet dans le monde de l'ombre. Je vais vous montrer comment faire. Donc, prenez cette pièce et vous l'insérez ici, si ça veut bien. Voilà. Ensuite, vous vous mettez en ombre et vous montez. Et là, vous avez donc obtenu votre succès Blurred Reality. Donc, vous avez attrapé votre tout premier objet. Ça va, c'est pas compliqué du tout. Alors ici, pareil, il va falloir attraper la deuxième poupée. Alors pour ce faire, vous allez venir là. Alors, on va juste déplacer peut-être celui-là. Voilà. Voilà. Pareil, on va pouvoir attraper la deuxième poupée. Et il va falloir mettre les poupées ici. Alors, on va choisir plutôt la femme. Mais ça importe peu, hein. Donc, il va falloir reproduire un peu en fait les photos qui sont au-dessus. Donc, voyez que là, elle a la tête tournée. La mettre comme ça, elle a son épée, plutôt comme ça, et les jambes. Voilà, un peu comme ça.
Lui, pareil, la tête de biais. Plutôt pareil, prêt à combattre. Alors ici, il y aura un succès aussi. C'est de résoudre un puzzle sans faire la moindre faute. C'est parfait. Alors, avant, on va aller en ombre. Et on va insérer l'écrou. Alors, c'est ici où il ne faudra faire aucune faute. Alors, pour le premier, ça importe peu, les deux vont dans le même sens. Voilà. C'est les suivants qui se corsent un peu. Alors, cette grande corde-là, elle va aller tout en bas. Et ensuite, celle qui se courbe vers la droite, celle-ci, on va la mettre en haut. Ensuite, c'est peut-être celle-là la plus compliquée, celle qui est assez raide là. Elle va aller sur la base d'en bas. Ensuite, celle qui est un peu moins raide là, elle va aller en haut. Et celle qui se positionne vers la gauche, on va la mettre par ici. Et donc, vous avez obtenu votre succès Complete Circuit. Bravo, bravo! Alors ici, vous allez mettre la barre à cet endroit-là. Voilà. Vous allez tourner la manivelle ici. Exactement. Et vous allez ensuite pouvoir passer au niveau supérieur. Ici.
Alors ici, il va falloir jouer avec des escaliers. Voilà, donc là, j'ai appuyé trois fois sur A. Ensuite, je viens là. Ensuite, vous descendez. Et c'est plus par là que ça va se corser. Alors. Une fois sur A. Sur X, encore sur A, et une fois sur, non, c'était pas ça. Voilà. Alors, pareil, ici, il y a un succès en lien avec l'horloge. Donc, vous voyez que en tournant cette manette-là, on va essayer de mettre les têtes, enfin plutôt les corps, pardon, dans le bon sens. Donc, cette manette-là, vous la tirez trois fois. Vous voyez qu'il y a des personnages là où je suis. Donc là, les corps sont bons. On va faire les têtes. On devrait avoir une demi-lune. Et encore une fois. Donc deux fois. Donc trois fois la manette de droite et deux fois la manette de gauche. Donc là, vous allez pouvoir récupérer cette pièce. Là, et ensuite la donner au copain. Ici. Alors, là, il va falloir, du coup,
effectuer les manipulations de manière très très précise. Donc pour ça, je vais vous montrer. Donc ici, vous allez tirer une fois cette manette. Vous allez tirer une fois celle-ci. Une fois celle-ci. Deux fois ici. Et enfin, trois fois celle-là. Et là, vous obtenez le succès Good Timing. Ici, un autre puzzle. Si j'appuie sur les feuilles, vous verrez que j'ai le tableau 2 et 4 qui s'illumine. Si je fais la lune, j'ai le tableau 3 et 5 qui s'illumine. Et celui-là, ce sont les deux tableaux dans lesquels, je pense qu'elle s'appelle Iris du coup, ne doit absolument pas tomber. Donc, on va d'abord sélectionner ce tableau-là. Donc, celui-là, 2 et 4, on est juste. Et celui-là, on sera juste. Donc, les trois tableaux sélectionnés, enfin, illuminés, enfin, les quatre tableaux du coup, illuminés sont ça. Donc, vous allez la faire avancer. Voilà. Ensuite, vous allez manipuler la... Ici. Vous allez sélectionner celui-là. Vous allez la faire avancer. Et ensuite, vous sélectionnez la lune. Hop, parce qu'il faut savoir que si vous sélectionnez la lune avant qu'elle ait bougé de tableau, vous allez devoir recommencer. Voilà. Alors ici, question de mémorisation. Donc là, vous allez vous diriger vers le nounours. Et vous allez voir que le tableau numéro 2 clignote et le tableau numéro 2, on avait parlé de la petite plante. Ensuite, le numéro 3, entre guillemets, c'était la lune. Donc on sélectionne la lune. Le numéro 4, c'était de nouveau la petite plante. Et le numéro 5, c'était de nouveau la lune. Alors, on va la faire aller par ici. Et vous allez voir ensuite, encore une fois, voilà. Encore une fois. Encore une fois.
Avant d'aller plus loin, vous avez un sorte de seau ici. Donc, shootez bien dedans. Voilà. Et vous devriez aussi obtenir le succès Clumsy. Voilà. Parce qu'on a shooté le petit seau devant la cheminée. Et on y va. Si j'arrive à rentrer dans la cheminée, ce serait bien. Apparemment, j'y arrive pas. Ah non, pardon. Il faut regarder les tableaux auparavant. M'excuse. Mea culpa. Donc là, vous dépoussiérez tous les tableaux. Voilà. Et là, on va pouvoir rentrer dans la cheminée. Voilà. Pareil ici, il y aura un succès juste après ça. Il faudra réussir du premier coup. Alors ici, rien de compliqué, hein. Il suffit d'aligner les images pour que ça fasse un trajet harmonieux, on va dire. Donc là, moi, je clique plusieurs fois sur A ou sur X. Voilà. Donc ça doit ressembler à ça. Et ensuite, vous cliquez sur la jeune fille. Ici, pareil. Donc d'abord, les escaliers. Ensuite, le sort de laboratoire. Ici, une horloge. Et ici, une sorte de arche. Ici, il faudra mettre des enfants en lumière. Donc, la jeune fille. La foule en délire. Là, vous vous stoppez en plein milieu. Et refoule calme. Voilà. Alors ici, il va falloir être très 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 vigilant parce que justement, c'est le succès qu'il faudra faire en une fois. Si vous vous trompez dans l'ordre des yeux, pas de souci, vous recommencez le chapitre. On est assez proche du début, donc ça prendra non plus pas trop de temps. Alors pour celui-là, on va éclater
L'avant-dernier. Donc on va se mettre là. Voilà. Ensuite, on va se mettre là. En fait, il y a une sorte de graphique en bas, donc il faut le faire dans l'ordre, tout simplement. Ensuite, vous allez à l'autre extrémité. Voilà. Ensuite, vous vous dirigez vers celui-là. Voilà, parfait. Ensuite, on va aller à l'autre bout. Magnifique. Ensuite, on va aller ici. Et enfin, le dernier. Ici. Voilà. Donc ici, vous avez obtenu votre succès observeur. Bien, 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 bien. Bien joué. Allez, c'est parti, on continue. Alors, on se met en petite ombre. Donc ici, les ordres de Arche là vont du coup se mouvoir. Donc là, on va descendre avec A. Voilà. Ici, on va descendre avec A. On va descendre encore avec A. Encore avec A. Ici, on va descendre de nouveau avec A. Là, on va monter avec X. Voilà. Tac, tac. Et là, on va descendre avec A. Voilà. Et nous sommes au bout. Alors, c'est peut-être la partie la plus. Une des parties les plus compliquées. Avant d'aller plus loin, vous allez courir trois fois derrière votre chat. Une. Deux. En fait, il faut le déranger trois fois. Trois. Allez. Voilà. Et vous avez obtenu le succès Her Kitty. Voilà. Vous avez chassé votre chat trois fois.
Ensuite, vous aurez aussi un succès en lien avec un cube qu'on fera un petit peu plus tard. Donc là, alors vous voyez que vous avez au milieu une sorte d'ombre de pointe, je ne sais pas trop quoi. Et le but, c'est donc d'illuminer en fait toutes les pointes de ce joli bitriangle, on va dire. En sorte de bitriangle. Et donc pour ça, il faudra parfois allumer en descendant le lampadaire. Donc là, ce lampadaire, vous allez le déplacer ici et vous allez appuyer une fois. Vous voyez que ça illumine. Ensuite, vous le relevez et vous l'amenez ici. Vous voyez que ça l'illumine. Parce que là, vous voyez que la petite ombre, elle est petite. Il faut que l'ombre en fait touche chaque petit point ou petit cercle en fait. Donc là il est petit donc ça va bien, ça nous arrange. Ensuite on va le mettre là. Vous voyez que l'ombre n'atteint pas le point donc on va l'abaisser. Voilà. On va le remonter. On va ensuite faire en sorte de retourner sur le milieu. Voilà. Exactement. Donc là, ça nous a fait déjà un bout de triangle. Ensuite, d'ici, on va toucher du coup en abaissant. Parfait. On va remonter. On va diriger l'ombre de nouveau vers là. Parfait. Et là, et on va l'abaisser. Voilà. Et ensuite, retour au milieu. Et voilà. Voilà. Et ici, pour obtenir le succès du cube, il faudra faire moins de 3 manipulations. Le but étant que les faisceaux lumineux qui sortent du cube puissent illuminer les deux portes qui sont là. Donc, pour ça, vous allez tourner. Vous allez tourner cette partie-là. Donc là, on a illuminé déjà la première porte. Et ensuite, vous allez tourner ce faisceau-là qui est là. Voilà. Et le tourner ensuite dans ce sens, là. Voilà. Là, vous avez obtenu le succès Cube Master. Bien joué. Mais bon, c'est pas tout parce que ça se complique. Vous pensez bien. Un petit peu plus après. Donc, ici, vous allez du coup rentrer dans cette porte. Et ressortir par là. Donc, on va continuer à monter. Et là, rebelote. Alors ici, vous voyez qu'il y a 4 portes à illuminer. Donc ça se complexifie un tout petit peu. Pas de panique. Vous allez tourner cette pièce d'en haut une fois. Donc là, on en a déjà illuminé 2. Ensuite, vous allez sélectionner ici, tourner une fois, puis ici, où vous allez tourner ensuite ici. Pour tourner et éclairer la porte du bas
Et ensuite, là, pour éclairer celle d'en haut. Là, pareil, encore un cube. Il va falloir illuminer ici les quatre œils, entre guillemets. Donc là, vous allez tourner ça. Donc là, vous voyez que ça en a illuminé trois. Vous allez ensuite sélectionner ici. Et ici, vous allez tourner trois fois. Vous allez ensuite aller ici et tourner deux fois. Ah non, pardon. Voilà, attendez. Voilà. Bon, j'ai un peu cafouillé cette partie. Alors, ici pareil, il y aura un succès. Si ça veut bien passer. Donc ici, vous regardez. Et ça, nom d'un chien, c'est peut-être la partie la plus compliquée à faire. Alors, pas de panique. Donc, le but, c'est que tous les yeux de chat soient ensemble, que les grosses fleurs soient ensemble et les petites fleurs ensemble. Donc, en fait, il s'agira de pivoter. Alors ici, vous allez cliquer deux fois et vous voyez que quand ça se chevauche entre guillemets, ça devient lumineux. Donc ça va être le but. Ensuite là, vous allez le monter. Ici, vous allez cliquer deux fois. Voilà. Les deux parties d'en bas, enfin le... La petite fleur là en bas, malheureusement, elle ne bouge pas. Donc, c'est un peu plus complexe. Alors, ici, à nouveau, deux fois. Ensuite, vous vous mettez ici. Et vous allez pivoter trois
trois fois pour que l'œil de chat rejoigne l'œil de chat. Voilà, regardez, ça devient blanc. Voilà, et il va falloir faire ça avec toutes les pièces. Ensuite, vous allez pivoter tout ceci une fois. Vous allez venir là et faire tourner la chose trois fois. Ouais, je sais, on a tout détruit. C'est pas grave. Ensuite, les pièces du haut, vous allez les faire tourner une fois. Ici, vous allez venir faire pivoter trois fois. Voilà, on y est presque. Et ensuite, le tout ici va venir se superposer. Et voilà. Alors, là, vous avez des papillons. Si j'arrive à monter, ça m'arrangerait. Allez. Et sur ces papillons, il y a des petits signes. Vous voyez? Donc, un rond, un triangle, une spirale, deux points. Et un autre rond. Et en fait, il va falloir les mettre dans l'ordre sur la machine à écrire et débloquer ainsi un succès. Donc, hop, on y va. Donc, le premier petit point, c'est celui-là. Ensuite, vous allez faire le triangle. Ensuite, vous allez venir faire un petit rond. Ensuite, vous allez venir faire la petite spirale. Et enfin, de nouveau, le petit rond. Voilà. Et là, vous avez obtenu le succès Ink Saver parce que vous l'avez fait du premier coup. Un tout petit peu plus tard, on fera celui qui s'appelle Quiet Easily Done. Vous verrez effectivement, il est assez easily, hein. Rien de bien folichon. Alors, vous récupérez plutôt auparavant cette pièce là. Et ensuite, vous allez pouvoir rentrer ici. Alors ici, vous allez récupérer ceci, qui sont des papillons. Et vous allez venir récupérer celui-ci. Alors, il s'agit de faire concorder les papillons selon les ombres ici présentes. Ah, pardon, non, vous allez mettre le tout petit d'abord. Excusez-moi, le tout petit d'abord. Parfait. Ensuite, ici, vous allez mettre le plus gros. Et ici, le
Moyen. Voilà. Alors, pour ça, on va déjà éloigner la lumière. Parfait. Vous allez venir récupérer en fait la lanterne qui est juste en ombre là. Donc pour ça, vous allez faire baisser notre chère reine. Et ensuite, vous allez pouvoir grimper. Voilà. Alors là, vous allez la remettre comme elle était auparavant. Voilà. Accrocher ici la sorte de... Je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite, venir reculer que tout concorde. Voilà. Alors, on va récupérer cette pièce-là. Voilà. Et obtenir notre prochain succès. Donc pareil, celui-là est à faire du premier coup. Donc ici, vous allez insérer la sorte de... sorte de... cloche. Ouais, voilà. Parfait. Ensuite, vous allez appuyer sur A pour faire tourner. Sur Y, vous allez ensuite mettre la fameuse couronne, là. Voilà, parfait. Vous allez ensuite pivoter encore une fois. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre le dernier élément qui est la théière. Ici présent. Parfait. Et vous allez cette fois-ci cliquer ici sur A pour tout remettre en place. Vous le faites deux fois. Et là, vous avez votre succès, Quiet Easily Done. C'est vrai. Alors, on va emprunter le petit chemin.
Alors ici, il va s'agir de emprunter chaque porte avec des spirales au centre, et pour ça, vous avez la possibilité d'alterner les pages. C'est parfait. Donc, vous voyez que là, elle peut bouger. Vous bloquez votre personnage en appuyant sur X, ça veut dire que le petit chat en haut est monté. Et ensuite, vous alternez les pages. Il y a un succès où il faut faire tourner les pages 10 fois. C'est ce que nous allons faire. Voilà. Une. Deux. Voilà, vous avez obtenu le succès Book Lover, l'amoureux des livres, c'est bien, bravo. On va rester ici, ça tombe bien, on va appuyer de nouveau sur X, et puis on va pouvoir se déplacer et aller tout en bas. Hop! Appuyez sur A. Voilà, là vous avez récupéré un petit personnage en papier qu'on va utiliser un tout petit peu plus tard. C'est très très bien. Voilà, ensuite vous allez bloquer la page avec X et cette fois-ci mettre la dernière page. Et de cette manière, on va pouvoir se rendre tout en bas là à gauche. Donc pareil, sur X. L'appareil appuyé sur A. Voilà. Là, on va se rendre là où nous étions auparavant. Donc ici. Et puis, on va choisir d'abord X et on va choisir la première page, ce qui va nous permettre d'aller tout en haut. Donc là, de nouveau X. Et on va par là. Parfait. Donc là, appuyez sur X, choisissez la dernière page. Avec la dernière page, ensuite appuyez sur X, on va se rendre là où il y a les trois yeux. Et là, de nouveau sur X, et ensuite on va pouvoir sélectionner la deuxième page. Voilà. Et on va pouvoir terminer ce monde-là. Vous ne le voyez pas, mais un petit escalier sur le côté si jamais, hein.
Alors, dans cette jarre, vous allez mettre le gros hochet. Ici, le petit bouton. Et ensuite, ici, il y a un succès qui s'appelle Linger Ringtone, où il faut placer la note de musique plus d'une fois. Donc, rien de compliqué, hein. Y, vous sélectionnez la note, vous la mettez une fois. Voilà. De nouveau Y, la note de musique est à nouveau en haut. Et là, vous avez votre succès qui devrait se débloquer. Pour ça, vous sélectionnez ensuite le petit bonhomme, vous le mettez en bas et la note de musique. Si j'arrive à la sélectionner, ça m'arrange. En haut. Et voilà. Linger Ringtone. Allez, courage, plus que deux succès à obtenir, dont le dernier qui est en lien avec le fait de terminer le jeu. Donc, en fait, il nous reste plus que deux succès. Et c'est pas les plus difficiles.
Alors ici, pour atteindre l'autre côté, côté ombre, on va dire, il faut éteindre toutes les lumières ici présentes. Et pour ça, encore une fois, on va jouer avec l'ombre et la lumière. Alors, vous allez déplacer cette partie tout au bout. Par contre, c'est une partie qui est hyper fastidieuse. Ça, je vous l'accorde. Voilà, donc là, on arrive au bout. Voilà. Vous allez pouvoir éteindre la première lampe. Ici présent. Parfait. Alors, revenez. Ensuite. Vous allez déplacer celui-ci un cran là. Voilà. Vous sortez avec B. A. Et vous allez venir ici. De nouveau, hein. C'est que des allers-retours en fait dans cette partie-là. Alors, vous allez pouvoir déplacer maintenant les petits le plafond, plateforme là. Donc, vous allez déplacer celui-ci, le coller à l'autre, et puis la première pièce ici présente, vous allez venir en faire une sorte de pente. Alors, on va la mettre par ici, voilà. Et ce qui va vous permettre, vous voyez, on est là. Ce qui va vous permettre, si ça veut bien, d'éteindre en tout cas cette lampe-là. Parfait. Alors, revenons en arrière. Vous allez déplacer la même pièce encore un petit peu plus. Voilà, ici. Ça va faire une sorte de pont aussi. Donc B pour sortir encore une fois. Et ça va nous permettre d'éteindre cette lampe-là au sol. Alors, maintenant, suivez-moi bien. Celui-ci, vous allez le faire reculer deux fois. Ensuite, ici, vous allez le faire avancer jusqu'à ce qu'il disparaisse presque. Pour former une sorte de rectangle avec la plateforme là-bas. Je m'explique. Voilà. Voilà, vous voyez? Juste au-dessus de la lampe, ça fait une sorte de triangle carré, isocèle. Je ne m'en rappelle plus, je suis pas très forte en géométrie. Et puis, la plateforme qui est là, vous allez la décaler d'une fois
Et celle-ci également. Voilà. Et je me rends compte que celui-là, il est encore trop. Voilà. Donc ça doit faire cette forme géométrique-là. Ok. On va pouvoir éteindre la dernière. Comme ceci. Et là, vous obtenez le succès Discovery. Vous avez découvert tous les dessins cachés derrière la scène. Bravo! C'est pas le plus compliqué, mais c'est le plus pénible. Bon, maintenant il va falloir aller sur cette plateforme. Alors, ici. On va mettre. On va le coller. Voilà. On va ensuite. Ensuite mettre ceci là-bas. Et on va avancer. Un peu glauque. Et ça va aller. Voilà, vous avez réussi à atteindre l'autre côté. Et on va se rendre dans la partie quasi finale. Voire finale. Ici, il faut faire en sorte de placer les pièces sur le grand échiquier, échiquier, on va dire, on va appeler ça un échiquier. Vous voyez que sur chaque bonhomme, il y a un certain nombre de ronds et ça signifie en fait le nombre de déplacements qu'ils peuvent effectuer. Donc, le premier, vous allez le coller ici et le deuxième, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez qu'il a deux points ici, trois fois. Voilà. Ça va.
Pareil, même exercice. Le tout premier, vous allez le mettre par ici. Le deuxième, tout en bas, à droite. Et enfin, le dernier, vous allez le mettre par ici. Ici, ça se complique un tout petit peu. Alors, le premier, depuis là, vous allez compter 5 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Le second va venir, lui, tout en haut à droite. Le troisième, si j'y arrive, 3 cases depuis celui-ci. 1, 2, 3. Parfait. Ici, vous allez le mettre. Vous allez le mettre par là. Et le dernier, vous allez le mettre quasi en haut. Ici. Voilà! C'est beau. Le dernier succès, sauf celui de terminer le jeu évidemment, c'est que les poupées de l'ombre ici présentes, en fait, nous bloquent le passage, un peu comme Gandalf qui nous dirait « You will not pass ». Là, le succès s'appelle « The Not Pass ». Je sais pas, c'est une petite référence au Seigneur des Anneaux, mais qu'importe. Alors, vous allez vous mettre en ombre et vous allez voir qu'ici, celle-ci vous bloque le passage. Ne vous laissant pas passer. Et juste au-dessus, il faudra faire la même chose avec ces deux autres poupées pour obtenir le succès. Rien de bien compliqué non plus. Alors, nous allons passer par-dessus elle, puisqu'elle ne veut pas nous laisser passer. Vous allez cliquer sur X et avancer jusqu'à l'escalier. Voilà, ça correspond à 5 fois X. Pour ceux qui sont sur Xbox, évidemment. Ici, une fois, vous allez avancer. Et puis, vous allez faire tourner cette pièce pour avoir la lumière. Et vous allez venir coller cette pièce à l'autre. On se met en ombre et on passe par-dessus. Voilà. Mais que dis-je? En fait, il nous reste encore deux succès. Haha, celui où on se fait embêter par les poupées, donc on est en cours, et puis l'autre où il y aura votre face à effectuer sur le projecteur. Mais culpa, il nous reste encore deux succès, et un troisième en lien avec la fin de l'histoire. Alors, ici, rien de bien compliqué, donc vous voyez, il y a une poupée là qu'il faudra venir embêter, et une poupée là-bas, pareil. Alors, pour cette poupée-là, bah, ça va se faire naturellement.
Donc on n'aura pas grand-chose à faire. Et on va faire en sorte d'embêter celle-ci. Vous voyez, si j'arrive à passer évidemment, si j'arrive à monter, voilà, qu'il y a trois sortes de trous dans le mur, voilà, avec des formes bien particulières, des orifices dans le mur. Et le but sera donc d'aller chercher ces pièces afin de pouvoir manipuler les ponts-levis, on va dire. Donc là, on a récupéré un triangle. On va venir le mettre ici. Et vous allez cliquer sur A. Donc vous allez pouvoir monter et venir récupérer la deuxième pièce. Et pareil, vous venez la mettre ici. Vous appuyez sur A. Parfait. Et là, vous vous transformez en ombre. Et l'ombre va venir récupérer la dernière pièce manquante. Rebaissez le pont. Et ensuite, venez mettre ici la toute dernière pièce carrée. Et levez le pont. Ça va permettre à votre ombre ici présente de se libérer. Parfait. Et vous allez appuyer de nouveau sur A pour qu'elle puisse monter. Coucou l'ombre! Là, vous allez pouvoir appuyer sur A. Et ici, pour faire cette troisième poupée, si ça veut bien, vous allez vous transformer en ombre et venir embêter Madame la poupée. Et donc là, vous obtenez votre succès de notre passe. Là, vous revenez en normal et vous allez venir également activer le levier. Perfecto! Plus qu'un succès! Alors, ici, récupérez la petite lampe, on va dire. Et le but, c'est d'éclairer en fait les yeux qui sont entre chaque triangle. Alors, vous le mettez là. Voilà. Et ça va venir abaisser ce fameux pont. Vous allez pouvoir du coup ramasser l'autre lampe. Et venir le mettre ici. Parfait.
Ensuite, vous retraversez. Vous venez piquer, si j'y arrive, la lampe là. Vous mettre en ombre. Et la mettre ici. Voilà. Ici, ça éclaire le tout premier œil. Une fois fait, vous redescendez. Ah, pardon. Vous redescendez. Vous venez là et vous récupérez ici en ombre toujours. Voilà. Et vous retournez en humain. En humain. En réel. Et vous mettez cette dernière pièce ici. Et voilà. Alors, le tout dernier succès, il est ici. Enfin, l'avant-dernier succès. Enfin, le dernier succès, on va dire, en lien avec un puzzle, il est ici. L'avant-dernier du jeu, il est là également. Alors, pour les possesseurs de Xbox, il faudra appuyer sur A et X. Et donc là, vous voyez que vous avez obtenu votre dernier succès en lien avec un puzzle, à savoir True Self. Pour ceux qui possèdent d'autres consoles, alors il faudra vous référer aux indications là. Donc A et X chez Xbox. Et ensuite, pour enfin terminer le jeu, cliquez encore une fois sur X et vous avez la tête de chat. Allez, un dernier effort. Et voilà. Cliquez plusieurs fois sur A.
Voilà, vous avez obtenu votre tout dernier succès. Vous avez terminé le jeu. Bravo. On a mis un peu moins de 2 heures, hein, il me semble. Je vais quand même vérifier. Effectivement, 1h40. Donc, vraiment un très très bon jeu qui, encore une fois, fait penser à celui de Contraste. Si vous ne l'avez pas fait, eh ben, n'hésitez pas à le faire parce que vraiment, le jeu Contraste vaut aussi le coup d'œil. Donc, voilà. Deux jeux qui se ressemblent. De jeux où il faut manier l'ombre et la lumière et résoudre des puzzles. En tout cas, merci d'avoir été présent, merci d'avoir regardé. Je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, à commenter ou à me rejoindre sur Twitch. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain guide. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao!